Les parents de Francis Ngannou, le père, la mère en Arabie Saoudite, ça veut dire ils ont pris l'avion pour aller voir leur fils travailler. Pour ceux qui ont venu dire que taper les gens, c'est le travail. C'est le travail. Tape aussi, on voit. Alors, les parents de Francis Ngannou ont pris l'avion pour aller voir leur fils travailler. Quelle joie! Pendant ce temps, les parents des autres, disons les autres parents villageois qui vivent au village, sont au village en train d'attendre les deuils, les funérailles, les enterrements pour avoir de quoi manger. Ça, c'est pour ceux qui vivent encore et qui sont en santé. D'autres sont malades présentement, qui n'ont même pas les frais, qui n'ont même pas l'argent pour se faire soigner. D'autres sont même morts depuis, par maladie, manque de moyens pour se faire soigner. Je vous présente cette vidéo parce que je suis tombé dessus et ça m'a tellement... Regardez d'abord un peu un extrait et je vous prends après. My bro. Champion, champion. Salut champion. Comment allez-vous? Champion. Comment allez-vous? Ça va toi? Non, ça va. Non, papa. Attends, papa. Attends, papa. Ça va pas? Merci. Merci, papa. Maman, je veux pas. Merci, merci. Merci. Hey, hey. Quand je serai aussi pincé pour vous aussi, mon enfant, comme ça, tout le monde l'appelle champion. Ce qui me tue encore le plus, c'est que le père parle même, dont le père valorise même notre langue là-bas, notre patois, notre langue maternelle. Amgaka, mon fils, au bout de son tête, son. Ah, Mike, donc tu es venu loin ici voir comment mon fils va finir avec Fury. La messe aussi derrière. Amgaka, mon père, c'est très beau. Je me rappelle à l'époque, on haïssait notre père. Que, mais, parce qu'à l'époque, pour être un homme dans le village, il faut aller à la chefferie, il fallait aller à la chefferie prendre les titres qu'aujourd'hui on ne sait même pas à quoi ça servait. Donc, juste pour avoir un peu quelques litres d'huile, quelques morceaux de viande après, certains parents ont abandonné leurs enfants, ont sacrifié leurs enfants même pour ces titres-là, au lieu de se concentrer. Parce que vous allez nous dire aujourd'hui que Ngannou a fait le beaux-arts pour arriver, oui. Non! Même s'il a fait le beaux-arts, c'était avec le soutien de ses parents. Oui, ce sont ses parents qui l'accompagnaient dans ces beaux-arts-là. Même seulement en prière. Parce que quand ton père, ta mère, quand tes parents prient pour toi, tout ce que tu fais dans ta vie, ça va de gloire en gloire. C'est pour cette raison que vous voyez Ngannou aller de succès en succès. Son premier succès, c'est d'abord ses parents. Parce que ses parents l'aiment. C'est d'abord l'amour que ses parents ont pour lui. Oui, ses parents prient pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant ce temps, d'autres étaient seulement là. Ils mettent les enfants irresponsables. Ils discutent la chefferie. Ils discutent les titres, les nominations, les ceci, les cela. Les discussions des terrains, les discussions des biens. Au lieu de se concentrer sur leurs enfants. Voilà aujourd'hui. Ceux qui se sont sacrifiés sur leurs enfants. Vous voyez la joie? C'est très beau. Je fais donc cette vidéo pour attirer l'attention de certains parents. N'allez pas construire les gratte-ciel. Hein? N'allez pas construire des grands immeubles, acheter les 100 terrains en disant que non, vous êtes en train de préparer l'avenir de vos enfants. La maison que notre père a conçue au village, là, c'était aussi notre avenir qu'il préparait. Donc, dans sa tête, c'est que c'est dans la maison là qu'on devait grandir pour chercher notre vie. Tu cherchais nos vies, ses enfants quoi. Donc, nous on est en train de vouloir casser parce que la maison ne ressemble même plus à rien. Mais à son époque, c'était la plus belle maison de l'époque. Donc, ils construisent aussi comme ça que quand mes enfants vont grandir, ils vont dormir, chacun va dormir dans sa chambre pour se battre. Qui va aller vivre là-bas au village aujourd'hui? Même quand on construit, ce n'est pas pour aller vivre. Donc, si vous avez l'argent, investissez sur l'éducation de vos enfants. Bon, si tu n'as pas la chance d'avoir un enfant qui est intelligent à l'école, qui n'a pas la tête pour l'école, il y a les grands centres de formation professionnelle. Payez les grandes formations pour vos enfants. Ne courez pas seulement pour entrer dans l'avion. Ne cherchez pas seulement à changer vos vies. Quand vous avez les enfants, vos vies ne vous appartiennent plus. Oui, l'avenir, comment dirais-je même, je pourrais même aller loin en train de dire que votre retraite, ce sont vos enfants que vous avez mis au monde là. Parce que si tu rates l'éducation de tes enfants, si ton enfant devient zéro, mon cher ami, même si tu es milliardaire,
quand la vieillesse va arriver, tu n'auras plus assez d'énergie pour contrôler tes biens, tu vas chuter. Si tu n'avais pas donc préparé tes enfants à continuer à prendre, à entretenir tes biens quand tu ne seras plus ou bien quand tu seras fatigué, alors tout ce que tu aurais cherché dans ta vie, dans ta jeunesse, sera alors de 1. Investissez sur vos enfants. Je dis que nous on détestait notre vieux parce que on partait dans les autres familles au village, on voyait les parents des autres qui rentraient ou avaient les viandes de porc, les viandes de ceci, c'était les grands notables. On rentre aussi comme ça là, mon frère, à ce moment-là, la viande chez nous. Aujourd'hui là, quand on regarde tous ces enfants, qu'on les enviait. Donc, je suis tombé sur cette vidéo, les amis. Ça m'a tellement... Regardez comment c'est beau. L'enfant amène ses enfants un peu de partout. L'enfant amène ses parents un peu de partout. Regardez comment... Un autre monde. Regardez comment ici c'est beau. Regardez les enfants. Et les parents font la découverte. Oh, my God, que c'est beau. Oui, préparez aussi l'avenir de vos enfants pour que demain, ils vous amènent aussi comme ça dans les bons endroits, visiter. C'est de ça qu'il s'agit. Les terrains que vous allez acheter, les maisons que vous allez construire pour vos enfants, c'est les tuer parce que quand vous ne serez plus là, ça sera la discussion des biens. Les enfants qui n'auront rien à faire. Si vous avez passé autant à acheter les terrains, construire les maisons pour l'avenir de vos enfants, quand vous allez mourir, ces enfants vont s'ancrer, donc vont se tchoukou-tchoukou pour ces biens que vous avez laissés, s'ils n'ont pas d'emploi. C'est-à-dire que celui qui ne met pas l'œil, c'est celui qui n'a rien à faire, c'est celui qui n'a pas l'emploi, qui met l'œil sur les biens de son père. Quelqu'un qui a son emploi, qui a son argent, ne regarde même pas les conneries, même si ton père a laissé quoi. Il n'a pas... Non, lui, il se concentre pour son avenir, ou bien pour l'avenir de ses enfants, de sa progéniture aussi. C'est comme ça. Vous avez vu dans les familles où il y a des discussions des biens, ce sont les gars qui ne font rien. Et le père n'avait pas pensé que non, ses enfants, s'il devait investir sur eux, vous partez construire les maisons. Mieux même que tu meurs en location, mais tu investis sur tes enfants. Parce que quand tes enfants vont réussir demain, ils vont te construire des belles maisons. Et tu vas vivre aussi bien. C'était le message de Franco. J'espère que c'était top. Merci de partager la vidéo. Je vous love. Ciao. Et si tu es nouveau, abonne-toi. Alors, je voudrais attirer l'attention de ces hommes qui sont à la, de ces femmes qui sont à la recherche d'enfants depuis plusieurs années. Si vous avez été diagnostiqué stérile à l'hôpital, voici la solution pour vous. C'est cette gamme de produits 100% bio qui vous apporte le bonheur dans la famille. Dans cette gamme, vous allez retrouver ces purges essentiellement conçus pour dégager au niveau de la gynécologie de la femme tout type de déchets qu'on retrouve à ce niveau-là. Parce que le plus souvent, on consomme des produits pour le ventre alors que le problème est localisé au niveau de la gynécologie de la femme. Vous allez retrouver cet ovule qui permet d'activer de manière rapide et efficacement la glaire cervicale qui permet de remonter les hormones chez la femme. Alors c'est toute une gamme de produits conçus uniquement pour les femmes qui souffrent à la recherche d'enfants. Et à côté de cette gamme, vous avez ce qui est prévu pour l'homme, le spermatose qui vient travailler la qualité, la quantité du spermatozoïde chez l'homme pour permettre à l'homme d'avoir un sperme de qualité mais aussi de quantité. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.